les invités Layton, que c'est assez rare qu'ils peuvent venir nous voir vraiment en Vegas et voir comment nous, on navigue le bateau quand on est plutôt en mode performant. Incroyable, ouais, c'était cool. Hein. C'était vraiment nouveau pour moi. Un week-end qui change de l'ordinaire. Ah oui, à partir de maintenant, je vais suivre les aventures de l'équipage Layton. Belle découverte d'une Formule 1 des mers. Au top, j'ai envie de dire. C'était décoiffant. On va commencer par Fanny. Ça permet aussi à des collaborateurs comme nous présents aujourd'hui de pouvoir se rendre compte de tout le travail et de toute l'implication de toute cette équipe sur ces événements-là auprès de nos clients et partenaires. Le travail en équipe, déjà, ça on l'a vu tout le week-end. La cohésion, l'envie de gagner, l'envie de se dépasser, c'est des valeurs en tout cas qui correspondent à Layton et qui collent bien en tout cas à l'événement qu'on a suivi hier et aujourd'hui. En fait, on ne se rend pas compte vraiment de la vitesse à laquelle on va. Chacun a son rôle, chacun a son poste. Nous, on avait vraiment des très beaux rôles de sac de sable à l'avant. Et on devait juste tourner quand on changeait la voile de côté. Parler de sponsoring de bateaux et de la participation à ces courses. Et je trouve ça vraiment très intéressant qu'on puisse y participer, des sensations incroyables. Bonne expérience de rencontre aussi avec l'équipage. C'est chouette d'avoir des invités Layton qui peuvent venir et voir un peu ce que ça donne et avoir leur impression. Il y a quelques-uns qui connaissent un peu le bateau, qui voient comment c'est différent de leur bateau. Et il y a des autres qui ne sont jamais navigués sur un bateau comme ça et c'est impressionnant. Ça donne vraiment envie de suivre la suite. Ouais. Et là, par exemple, ce soir, tu vas réussir à décompresser un peu et... Ah, je vais pas avoir de soucis à dormir.